Je viens de passer la frontière entre les Émirats Arabes Unis et Oman. Ce fut assez compliqué. J'ai eu l'impression de faire le yo-yo, mais bon, allez, ça y est, c'est fait. 2 heures après, j'ai enfin le précieux sésame pour entrer à Oman. Et j'ai une super carte. Mais le problème, c'est que c'est écrit en arabe. Bon, enfin, on va essayer de ne pas se perdre, d'accord? Je suis sur la route qui me mène à Jidrin. Je viens de passer la frontière avec les Émirats Arabes Unis et je devrais atteindre ma destination dans 250 km à peu près. Et c'est curieux parce que je roule, il n'y a personne et tout d'un coup je vois un type qui marche. Et ben, je ne sais pas ce qu'il faisait. Et en fait... il fait pas du stop parce qu'ici le stop c'est interdit, donc je sais pas ce qu'il fait. Et donc je me dirige vers Jidrin. J'ai passé le poste frontière, il doit faire 40 et quelques degrés dehors. Ma climatisation dans la voiture est très très faiblarde, et d'autant plus que dès que je la mets, ça fait monter la température moteur, donc je la coupe au bout d'un moment et puis j'ouvre les fenêtres pour aérer. Enfin voilà. C'est parti pour la découverte de ce pays, le Sultanat d'Oman. Le Sultanat d'Oman est un pays du Moyen-Orient, au sud de la péninsule d'Arabie, sur les bords du golfe d'Oman et de la mer d'Arabie. Il est bordé par les Émirats Arabes Unis au nord, l'Arabie Saoudite à l'ouest et le Yémen au sud-ouest. C'est une monarchie indépendante depuis le milieu du XVIIIe siècle. L'économie du pays est particulièrement dépendante de l'extraction de ses ressources de pétrole. Une vaste plaine désertique couvre la majeure partie du centre du pays et plusieurs chaînes de hautes montagnes, telles le Djebel Ha-Sham d'à 3000 mètres, s'étendent le long de ses côtes nord et sud-est où la plupart des villes sont situées. Mascate, la capitale, Matra et... sur, au nord, Salalah au sud. La principale ville située à l'intérieur des terres est Nizwa, ancienne capitale du Sultanat. Le climat d'Oman est chaud et sec à l'intérieur des terres, mais humide au bord de la mer. Dans les montagnes, de nombreuses oasis tempérées utilisent les eaux souterraines des systèmes de Falaïj pour leur culture en terrasse. Les réserves d'or noir ne sont pas énormes. Le stock évalué à 5,5 milliards de barils représente une broutille en comparaison des 320 milliards contenus dans le sous-sol de l'Arabie Saoudite. Le pays s'oriente vers le développement de son secteur touristique avec la construction de complexes hôteliers. En moins de 10 ans, le nombre d'hôtels aux normes internationales est passé de 200 à plus de 6000. Conséquence logique, le nombre de touristes augmente chaque année de 30% selon le ministère du Tourisme. Pour diversifier son économie, Oman s'est lancé dans un programme de construction d'une usine d'aluminium basée à Sohar. Il investit dans les semi-conducteurs et la robotique, consolide ses acquis dans les mines de cuivre et de marbre, les infrastructures portuaires et mise à fond sur le tourisme de luxe.
Mascate, ou Muscat, est la capitale du sultanat d'Oman, le très ancien petit port agrandi. La vieille ville de Mascate, qui ne contient que 25 000 habitants, est à l'origine de la plus grande agglomération du pays, avec une population dans l'aire métropolitaine de 1 100 000 habitants en 2008. Mascate s'étend donc désormais largement hors des limites de son gouvernorat, ou préfecture. Mascate, située sur la côte du golfe d'Oman, est l'une des plus anciennes villes du Moyen-Orient. Des tombes de pêcheurs remontant au 6e millénaire avant Jésus-Christ ont été retrouvées près du site. De vieilles poteries suggèrent des contacts anciens avec la civilisation de la vallée de l'Indus et la cité de Harappa. La ville portuaire est connue en Occident depuis le 1er siècle par le biais des cartes de Ptolémée, qui l'appelle Cryptus Portus, le port caché, et par Pline, l'ancien, qui l'appelle Amitoskouta. Le gouvernorat de Mascate est considéré comme le cœur palpitant du pays. Relié au port sultan Qaboos par la route maritime de Moutra, c'est une région d'une extraordinaire diversité naturelle avec ses plages de sable fin, ses massifs montagneux et ses collines dorées. Ce qui frappe dans le gouvernorat de Mascate et ses districts, c'est la symbiose entre le patrimoine historique et le caractère moderne et contemporain de la ville. Des maisons, des portes et des marchés anciens, ainsi que des ruelles tortueuses chargées d'histoire y côtoient des marchés modernes, des magasins, des immeubles et des rues à l'architecture contemporaine. Ainsi, la ville a su conserver son identité historique et culturelle tout en s'imprégnant de modernité. Mascate est connue pour être l'une des capitales les plus soignées du monde arabe et a d'ailleurs remporté, à plusieurs reprises, le concours de la ville arabe la plus propre. Du fait de sa position stratégique, Mascate a joué un rôle historique de premier plan. Les dauphins sont nombreux à fréquenter les eaux qui bordent les côtes omanaises. Au large de Mascate et du Musidam, il est possible d'observer en bateau le spectacle offert par les dauphins. Les dauphins qui visitent le sultanat appartiennent à diverses espèces. Le dauphin à bosse de l'Indo-Pacifique, le dauphin de Rissot, le dauphin à nez en bouteille également appelé souffleur ou dauphin à gros nez, le dauphin à bec étroit, le dauphin tacheté pantropical, le dauphin bleu et blanc, le dauphin à long bec, et enfin le dauphin commun à bec large. Je suis donc parti un matin, à bord d'un bateau rapide au large de Mascate, dans l'espoir d'en croiser quelques spécimens. Que nenni, pas de dauphin ce matin-là. Mais j'ai croisé une baleine. Thank you.
9h du matin et je m'apprête à rentrer aux Émirats Arabes Unis. Je suis au Sultanat d'Oman. La frontière se trouve à 125 km d'ici et j'ai choisi le même poste frontière qu'à l'aller. Ça y est, je suis aux Émirats Arabes Unis. Ça n'a pas été simple. J'ai d'abord passé un premier poste frontière à Oman qui m'a autorisé à sortir du pays, donc j'ai eu le tampon de sortie. Et puis 20 km plus loin, j'ai passé à nouveau un poste frontière. Je croyais que j'étais aux Émirats Arabes Unis, ben non. J'étais toujours à Oman, donc moi j'expliquais que je voulais un visa d'entrée et eux m'expliquaient que j'avais le bon visa de sortie. C'était pas simple parce qu'ils ne parlaient pas anglais. Et au bout d'un petit quart d'heure, j'ai enfin compris que j'étais toujours à Oman. Donc avec un large sourire, je me suis excusé eux aussi. Ils m'ont offert un thé. Et puis de là, je suis parti 5 km plus loin. Et j'ai enfin franchi la frontière des Émirats Arabes Unis. Un premier contrôle. Ensuite, on m'a gentiment demandé de me garer. Fouille de la voiture et de mes bagages. Ensuite, je suis passé au poste d'immigration. J'ai attendu au mauvais bureau, comme d'hab. Ensuite, on m'a fait passer au bon endroit. J'ai eu le tampon, le visa qui m'autorisait à rentrer aux Émirats Arabes Unis avec un numéro d'ID. Et ce numéro unique, je dois le présenter à chaque fois que j'aurai un contrôle d'identité. Et on m'a certifié qu'il était valable pour sortir du pays dans 2 jours, puisque je prends l'avion direction le Qatar et Doha. C'est parti.